Ils ont dit on a toute la nuit. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que... Ah oui, l'histoire, c'était pourquoi elle s'était fait arracher la langue, cette pauvre amie. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Mais les nazes étaient dans la cellule de Jaline Madaz. Ça, c'est la langue bon. Arrachée pour des raisons, pour une raison justifiée. Je vais faire très court. Milena était la fille d'un pêcheur, modeste pêcheur du sud du pays, et elle tomba amoureuse du septième fils de Step Back, le jeune Blockskars de Quisnitfell. Step Back était le maître de la région de Chindegau, après la montagne de la chaîne de montagnes du Tsilvac dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, l'histoire est toujours la même, amour impossible. Il ne veut pas qu'elle est fou, qu'il épouse une simple fille de pêcheur, etc. Toujours la même histoire. Il obtient quand même de son père de l'épouser à certaines conditions. Blocksgaus épouse Milenaz et vient le premier enfant. Et en Klokochazia, on prend l'enfant avec les sages-femmes, prennent l'enfant et l'emmènent dans la forêt toute proche. Et la forêt donne une âme à l'enfant. Et l'enfant est restitué à sa mère le lendemain matin, avec son âme. Or, le premier enfant ne revint jamais. Simplement, au petit matin, dans la bouche de Milenaz, un auriculaire gauche d'enfant. Une deuxième chance, le deuxième enfant arrive quelques années après, le troisième, le quatrième, le cinquième, cinq auriculaires gauches seulement. Et... Step Back obtint ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire que l'on chasse Milenaz et qu'elle ne reste pas avec son septième fils, qui lui décida de partir vers le nord pour devenir, dit-on, l'âme double de Maître Cloco sur l'île du Moqueur. Et ça, c'est une autre histoire. Milenaz fut chassée vers le nord et se retrouva donc en prison. Et avant de la laisser partir, on lui avait arraché la langue parce qu'elle accueillait beaucoup trop facilement les auriculaires gauches. Voilà.